J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons traiter de la mort étrange et mystérieuse de Marie-France Pizier, qui m'a été demandée par plusieurs personnes sur la chaîne. Et effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, puisque nous avons vraiment un doute sur la manière dont cette dame a été retrouvée morte. À savoir, on a considéré qu'il s'agissait d'un suicide, mais elle a été retrouvée noyée et tenue par une chaise. Donc son corps était enchevêtré par une chaise métallique très lourde. Et il peut paraître complètement invraisemblable que celle-ci ait voulu mettre fin à ses jours de cette façon. D'autant plus que c'était une personne qui, a priori, n'avait pas de tendance suicidaire et qui était plutôt dans le combat. Une personne qui est souvent présentée par son entourage comme une femme forte, une femme qui voulait dénoncer, notamment par rapport à ce que nous apprendrons quelques années plus tard, lors de la sortie du livre de la fille de Bernard Kouchner, qui explique que dans sa famille, eh bien, il y a eu des abus que son frère a vécu pendant toute sa jeunesse, et que beaucoup de monde, finalement, a demandé à faire taire et à ce que ça ne soit pas su, notamment leur propre mère, qui, dès la révélation des attouchements sur son fils, a préféré tourner le dos à ses enfants plutôt que d'essayer de comprendre ce qui pouvait réellement se passer avec M. Duhamel. Donc elle a sorti un livre, Camille Kouchner, qui doit être, je pense, très intéressant. Malheureusement, j'ai tellement de livres en retard à lire que je n'ai pas du tout encore pris la peine de lire cet ouvrage. Mais je pense qu'il doit être vraiment très instructif par rapport à cette vie qu'ils ont connue. Donc là, je vais m'intéresser à leur tante, Marie-France, qui avait été mise au courant de ce qui se passait et qui était très en colère que sa sœur ne réagisse pas en essayant de protéger en fait ses enfants et en mettant à l'écart son conjoint. Donc celle-ci a essayé d'en parler au maximum de personnes. On sait que ça a été vraiment un combat pour elle de faire connaître les agissements de M. Duhamel, qui est une personne vraiment très haut placée. Et il se pourrait que cela ait impacté sur sa vie et d'une certaine façon peut-être participé aux circonstances étranges liées à son décès. En tout cas, c'est une piste qui est souvent soulevée par plusieurs personnes. Et là, nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce qui s'est passé pour Marie-France le jour de sa mort, avant ce décès. Et puis, nous lui demanderons si elle veut bien nous répondre concernant les circonstances de sa mort, à savoir si c'est bien quelque chose qu'elle aurait décidé par elle-même ou un suicide qui lui aurait été grandement poussé par quelqu'un d'autre. Alors Marie-France Pizier, c'était une actrice, une très belle femme, hein, qui était proche de sa sœur dans sa jeunesse, une personne qui avait pour elle beaucoup d'admirateurs. C'était une actrice qui était vraiment appréciée également dans le monde du cinéma et par les autres personnes avec qui elle avait tourné. On nous parle souvent d'un caractère plutôt jovial, d'une femme qui appréciait la vie, qui avait un tempérament plutôt lumineux, jusqu'au moment où elle a appris tous ces faits et où cela lui a été vraiment impossible à supporter et où elle a décidé de mener ce combat tant bien que mal et malheureusement avec l'issue peut-être que l'on en connaît. Alors aujourd'hui, bien entendu, les choses ont changé puisqu'il y a eu une prise de parole de la personne, enfin, d'une des personnes concernées, à savoir la sœur jumelle de ce jeune homme avec qui était victime d'agression. Et la peur change de camp quand c'est comme ça. Sans plus attendre donc, nous allons voir ce qui entourait Marie-France au moment de sa disparition. Alors, nous avons d'abord
Bon, alors nous avons la carte de l'attaque qui arrive immédiatement, qui est recouverte par la tempête. Ok, donc pour moi, elle nous donne déjà une grande information et la contrainte avec l'argent. Bon, j'ai presque pas envie de retourner les autres cartes. Là, on est dans une réponse relativement claire. Ce jour-là, en fait, il y a bien eu une transaction faite à son sujet et qui a conduit à cet accident. La lutte de pouvoir. Ces cartes sont vraiment très intéressantes. Et la police. Donc pour moi, cette carte de lutte de pouvoir représente ici la vérité qui a été détenue par cette femme et qui a créé énormément de tensions avec sa propre famille. D'ailleurs, pour moi, c'est possible hein, qu'on lui ait fait des menaces, et que ces menaces-là viennent de personnes liées à l'institution, à l'uniforme. Ce ne serait pas la première fois. Et connaissant la puissance et l'importance de monsieur qui est accusé d'avoir commis ceci, il ne serait pas étonnant qu'il ait effectivement les moyens de se protéger avec certaines personnes qui travailleraient pour lui. Nous avons la carte de la honte qui apparaît et qui est ici recouverte par l'éducation. Donc on nous parle vraiment encore une fois de ce que ce monsieur, avec son titre, si vous voulez, monsieur Duhamel n'est pas le père biologique de ses enfants, mais il a participé à leur éducation. Bernard Kouchner était très peu présent visiblement dans la vie de ses enfants. Donc c'est bien monsieur Duhamel qui les a élevés avec leur mère. Et ici, on nous parle vraiment d'une éducation honteuse, de quelque chose qui a été instauré par des adultes, mais qui n'était pas beau. Bon, nous avons les menaces qui en suivent, hein, du coup. Et qui menacent quoi? Eh bien, la liberté. La liberté. C'est déjà. Vraiment, cette journée-là, pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui nous explique tout le contexte dans lequel elle se trouvait. Et maintenant, on a le rival. Avec le foyer. Donc, effectivement, là, on nous clarifie les choses et on nous dit que ces menaces et luttes de pouvoir venaient vraiment du foyer familial. Là, nous avons la carte du début, qui est recouverte par des personnes qui discutent entre elles et qui mettent à l'écart une autre personne. Pour moi, Marie-France se sentait vraiment exclue dès le départ, en fait. Elle n'a jamais appartenu à cette sphère de personnes. Elle a tout de suite été considérée un peu comme un alien dans cette famille. La fascination avec la colère. Voilà, donc pour moi, elle ne se laissait pas toucher par l'importance de la personne de par son statut, mais bien par les humains. C'était une personne à mes yeux qui ressort comme étant profondément humaine et profondément sensible. Autour d'elle, il y avait vraiment des choses très négatives qui se sont tramées ce dernier jour. On a fomenté un plan contre elle afin de pouvoir eh bien, la réduire au silence. Ces personnes qui ont agi sont des personnes qui sont en lien avec le pouvoir, qui sont très bien entourées et qui ont eu un rôle d'éducation au sein de leur foyer. Ce sont des personnes ou une personne qui a déjà menacé Marie-France par le passé, qui a déjà fait savoir son mécontentement. Et c'est une personne qui est proche de son foyer familial, voire qui en fait partie. On est sur une personne qui a été exclue de ce clan familial, qui lui était fasciné par cette personne agressive et cette personne qui avait tendance à se montrer colérique. Marie-France, donc, était triste. On voit la carte du chagrin qui arrive ici et qui est recouverte par la trahison. Voilà, bon, moi, ce jeu, je pense qu'il ne va pas durer non plus très longtemps, parce que pour moi, on a vraiment toutes les réponses qui sont déjà ressorties dès le premier tirage. Donc, la personne instigatrice est une personne, en fait, qui est ici représentée comme un berger. Quelqu'un qui va guider son troupeau et qui va décider à quel moment il leur laisse ou non la liberté de sortir de celui-ci, de pouvoir aller paître tranquillement dans la nature. Eh bien, il en est de même un peu pour Marie-France. Autour d'elle, il y a une personne très autoritaire qui décidait absolument de ce qui pouvait être dit ou pas. Donc c'est quelqu'un qui jouait avec les apparences, puisqu'ici on a le jeu et on a le clown. Et pour moi, vraiment, la personne autour
de Marie-France qui a eu quelque chose comme impact très négatif est une personne qui pourtant sait se montrer sous ses meilleurs aspects et qui joue alors de deux choses, de son côté sympathique, mais également le clown, c'est le symbole du cirque. Et donc pour moi, on est vraiment dans la grande symbolique. Et pour moi, c'est quelqu'un qui joue de son importance, de son statut et de son symbole. La carte du père, je ne connais pas les relations de Marie-France Pisier avec son propre père. Mais ici, nous avons la justice qui ressort et du coup, ce que l'on entend, pour moi, est très clair. On nous parle de ce monsieur qui a eu le rôle d'un père et qui est passé devant un tribunal. Ou qui va passer devant un tribunal, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je suis assez contente de pouvoir vous apporter ici toutes ces informations qui sont quand même très, très criantes concernant Marie-France. Alors, ce que je vous propose pour pouvoir avoir une vision un peu plus globale et qui dépendra un petit peu moins de ces mots qui peuvent parfois déplaire à certains, alors dans un premier temps, ça va être de prendre l'oracle de la voix des âmes afin de pouvoir essayer de rentrer en contact avec Marie-France. Et puis, nous ferons un jeu plus complet avec le grand était là ou avec un tarot, je ne sais pas encore. Ici, j'ai donc sorti une carte, comme je vous l'ai présenté lors d'un des derniers tirages que j'avais publié. Ce sont des cartes de messages qui sont complémentaires avec les autres. Et on va voir si il y a un message en particulier, parce que parfois, ça peut être quelque chose de plus général qui ne s'applique pas forcément à la personne. Mais j'avais envie de le tenter. On va voir ce que Marie-France, si Marie-France veut bien nous donner une précision sur, sur des choses, sur qu'est-ce qui a pu encore lui arriver ou si elle a des choses à nous faire part. Donc, nous avons ici le message de pardon. Et ici, la carte des enfants. Alors bon, pour moi, elle nous demande, indépendamment de ce que je vais pouvoir découvrir dans le livret, hein, mais pour moi, c'est évident, elle s'en veut vraiment de ne pas avoir pu les aider plus. Elle se sentait vraiment investie d'une mission par rapport à son neveu et à sa nièce. Il y a quelque chose qu'elle ne se pardonne pas, et je ne pense pas que ce soit elle qui ait mis fin à ses jours, comme cela a été retenu. Pour moi, il y a vraiment quelque chose où on l'a contrainte, où elle n'était pas prête à partir, elle n'en avait pas envie. Même si la vie était devenue bien compliquée pour elle. Hein. Ça, effectivement, il n'y en a pas de doute. Hein. Donc là, on nous dit que y a un message de pardon. Ce message est un message de pardon, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Pour moi, ici, alors, on nous demande de nous fier à nos ressentis lorsqu'on regarde ces cartes. Et moi, mon ressenti ici, c'est aussi le fait qu'il y ait des doigts croisés, qui donne vraiment, si vous voulez, le côté pourvu qu'on retrouve, pourvu qu'on sache. Et je sens pour moi ici que ce pardon est demandé tant à ses neveux et nièces qu'à aussi peut-être sa sœur, même si depuis elle est décédée, puisque les relations étaient vraiment très tendues, mais qu'elles restaient proches comme les deux doigts, vous voyez ce que je veux dire, soudés, très soudés. Et je pense que malgré leurs disputes fréquentes et leurs caractères très très différents, Marie-France et sa sœur avaient pourtant commencé leur vie d'une façon plutôt proche. J'ai ce sentiment d'une grande trahison qu'elle aurait subie et de quelque chose qui lui a paru totalement antinomique par rapport à ce qu'elles avaient pu vivre. Alors je ne sais pas du tout si Marie-France et sa sœur auraient pu elles-mêmes vivre des abus dans leur enfance. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et cela pourrait nous donner aussi une indication du pourquoi ça a été si compliqué à admettre que les choses soient cachées. D'ailleurs ici, donc pour reprendre le message de l'entité, on nous dit que ce n'était pas forcément une enfant heureuse, qu'elle sait que son âme n'a pas choisi cette expérience par hasard, que son but était d'être dans une énergie de résilience, que son enfance a été compliquée, mais elle présente également des excuses à des personnes dont l'enfance a été compliquée et qui font partie de sa vie.
Quand je repense à l'enfance, ma gorge se noue comme s'il y avait des choses que je ne pouvais pas encore dire et je sais que tu as le même ressenti. Pour moi, il y a potentiellement eu une agression faite sur Marie-France dans sa jeunesse. Ce qui l'a d'autant plus traumatisé de savoir que derrière, son neveu pouvait subir la même chose. Elle nous dit que nous allons comprendre le sens des événements en étant dans le pardon. On nous dit aussi ici que nous sommes le miroir de certains souvenirs, mais nous avons aussi la même force intérieure. Donc elle s'adresse pour moi très clairement à son neveu. Elle lui dit « Rappelle-toi que tu as ton libre arbitre et que tu peux être la personne que tu as décidé d'être et j'ai confiance en toi pour l'être car tu en es capable. » Et si je reprends le message, là c'était vraiment le message de l'entité, mais si je me fie à son âme, elle nous dit « Toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec quelqu'un dont l'enfant intérieur a été blessé. Il a besoin d'être rassuré et d'être aimé. » Donc ça, c'est quelque chose qu'elle nous dit. Des schémas relationnels négatifs ont pu être créés. Et du coup, tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, son enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec elle. Mais une partie de cette personne l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi. Et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Elle invite quelqu'un à faire la paix avec son enfant intérieur. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste, il n'y a que toi qui peux le rassurer et il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, trouve-le. Il t'attend et ne t'en veut pas. Et donc voilà, on nous dit vraiment ici qu'elle s'adresse, je pense vraiment pour moi, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment on est dans l'expression la plus totale du pardon à son neveu de ne pas avoir pu agir mieux pour le protéger plus. Pourtant Marie-France, vous avez fait énormément, vous avez essayé avec vos armes de démocratiser ce sujet terrible qu'est l'amour bien trop prononcé pour les enfants et l'abus qui leur est souvent infligé. C'est des choses qui se faisaient, qui n'étaient pas choquantes, visiblement, pour certaines élites dans les siècles précédents. Mais il est grand temps que ceux-ci comprennent que c'est interdit, dégoûtant et réprimé par la loi. On n'abuse pas d'enfants, on ne fait pas ce qu'on veut avec le corps d'autrui. On n'a pas à se servir, notamment en ce qui concerne ce cas précis, en tout cas dans ce que Camille Kouchner a pu en dire, on n'a pas à se servir de l'innocence de l'enfant à son encontre. Quelle horreur, quelle abomination, vraiment. Quand on voit le nombre de pédos, c'est vraiment, mais vraiment très 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 inquiétant. Je ne sais pas pourquoi ni comment cette fascination due aux enfants est née, mais ça me répugne vraiment. Je pense que je ne suis pas la seule, bien entendu, dans ce cas. Mais alors, c'est à rien y comprendre. On est censé être une société qui évolue et finalement, on se retrouve à se conduire comme des barbares de première catégorie, à continuer d'abuser d'enfants et d'en faire des objets. Alors ici, j'ai décidé de prendre un autre oracle pour compléter et on me montre tout de suite la carte de la confiance. C'est une personne pour moi, vraiment cette Marie-France est une personne qui avait vraiment une certaine fierté, quelqu'un qui avait des croyances qui étaient importantes pour elle. Et pour moi vraiment, il n'y a pas de mort volontaire. Alors ici, on a la carte de l'envolée et dans cette carte-là, on est sur quelque chose qui nous montre sa transformation, son élévation sur un plan spirituel. On nous dit qu'elle est partie et qu'elle se sent mieux, qu'elle est libérée ici d'un certain poids, bien qu'elle n'ait pas eu le temps de, visiblement, de tout finir ce qu'elle avait entrepris sur Terre. Elle a réussi quand même à monter et à se sentir apaisée. Ici, on nous parle de la famille. Sagrada Familia, je crois que c'est le titre du livre de Camille Kouchner. Et ici, donc, cette carte nous parle d'un clan, de garder ce clan en sécurité, de protéger son clan familial. La carte de la nature. Alors là, on est face à une belle demeure qui peut nous sembler un petit peu cossue. Donc, on sait qu'il y avait, bien entendu, dans cette famille, une certaine aisance financière. On nous parle de dons, on nous parle de cadeaux. Ici, on nous représente vraiment une maison qui est le foyer et dans lequel les choses
se sont produites. C'est vrai qu'elle est décédée chez elle. Là, donc, nous avons Blossom et Magical. Ok. Donc, pour moi, cette carte, alors, la première. Donc, on est sur quelque chose de parlant. On voit bien cette carte représentée par une femme et une petite fille qui se tiennent la main. Et il y a un chat noir entre ces deux personnes. Cette carte peut représenter Marie-France et sa nièce avec une certaine transmission d'une forme de courage, d'une forme de volonté de dire les choses. Et pour moi, on nous parle de progrès, de changement et de croissance ici. Donc, il y a vraiment eu une transmission qui a été faite et peut-être qu'il y a même encore une communication. Je ne sais pas si ce sont des personnes qui peuvent pratiquer le spiritisme ou être amenées à ressentir les choses, mais il y a bien une transmission de femme à femme. Et pour moi, Marie-France est très proche de sa nièce ici. Et enfin, nous avons la carte de la magie ici qui représente le mythe, les choses un peu éthérées, l'ésotérique et un peu les miracles. Donc, on peut nous parler ici peut-être d'une évolution qui aurait pu devenir positive. Je vais regarder en recouvrant. Et oui, vous voyez, j'ai la joie qui apparaît avec la pierre qui soigne, la lithothérapie. Donc, il se peut quand même qu'on nous parle ici d'une guérison qui soit faite par une certaine forme de justice. Et comme elle nous suit, elle suit cette carte-là, pour moi, le livre qu'a écrit Camille Kouchner a libéré sa tante. Vraiment. D'un poids qui était vraiment très compliqué pour elle. C'est-à-dire que tant que les choses n'étaient pas sues du grand public pour elle, il était compliqué d'arriver à accéder à une paix intérieure. Dernier tirage pour Marie-France Pizier qui a eu l'extrême bonté et gentillesse de communiquer avec nous de manière plus que limpide aujourd'hui. Je vais utiliser à ce sujet le Grand était là, qui est un jeu qui parle toujours bien, je trouve, qui nous donne pas mal d'indications et qui se montre très fiable. Donc on va sélectionner pour Marie-France des cartes et je reviens avec vous dès que ceci sera fait. Voilà, j'ai donc tiré les cartes. Celles-ci sont tombées d'elles-mêmes. Donc, je vous les ai conservées. Il me semble que c'est intéressant. On va pouvoir les regarder ensemble. Donc, j'ai la carte de l'incident, la carte de l'idéal, la carte de l'appui et la carte de la prudence pour Marie-France. Voilà. Donc, ces cartes qui sont évadées elles-mêmes du jeu ont toujours pour moi un sens et j'aime bien les regarder. Parce que c'est vrai que ça nous donne tout de suite un complément d'information et moi je ne crois absolument pas au hasard, donc du coup je sais qu'à mes yeux elles ne sortent pas pour rien. Donc pour moi ce 9 d'épée qui déjà arrive à l'envers nous dit qu'elle avait raison en fait d'avoir peur, elle avait des craintes qui étaient vraiment fondées, elle savait qu'elle risquait quelque chose et qu'elle était mal entourée, qu'autour d'elle en fait... Eh bien, il y avait des soupçons, il y avait aussi parfois des personnes qui essayaient de la discréditer. Donc déjà, on nous met tout de suite dans l'ambiance là, de ce qu'elle pouvait ressentir et savoir de ce qui l'attendait. Après, on a la carte du chaos, hein, la carte de l'idéal ici, qui nous dit qu'elle avait beaucoup de qualités morales. C'est une personne qui était vraiment dans la gentillesse, une personne en fait qui était pure, une belle personne morale, qui avait également beaucoup de gentillesse et de bonté envers ses proches. Qui savait faire don d'elle-même autant amicalement que sentimentalement. Ici, après, on nous parle de l'appui, cette carte qui est représentée à l'endroit et qui nous montre ici qu'il y avait pour elle quelque chose qui n'était... Comment dire ? En fait, elle a reçu certainement un soutien d'une personne dans son combat et cette personne-là était pour elle plutôt une personne de protection. C'est quelqu'un qui avait envie de faire attention à elle par rapport à ce qu'elle commençait à révéler comme information. Donc cet appui-là était vraiment plus quelque chose de protection. Et on nous parle de son conjoint ici. On peut nous parler d'une relation avec le conjoint qui était là normalement pour la protéger et qui en tout cas n'était pas du tout néfaste pour Marie-France, bien au contraire. Nous avons la prudence qui arrive avec la carte de Moïse ici et on nous dit qu'il ne faut faire confiance à personne, qu'elle n'aurait vraiment pas dû donner son accord à qui que ce soit. Il aurait fallu qu'elle se méfie de tout autour d'elle
et notamment des propositions par rapport à des placements, par rapport à de l'argent et par rapport aussi à des menaces qu'elle aurait reçues et qu'elle n'aurait pas prises au sérieux. Vous voyez l'intérêt de lire ces cartes. Donc là, on a la carte des domestiques qui arrive avec la carte des profits. Alors c'est vraiment marrant parce que bon, du coup, je trouve que ça va bien. Ça reste sur une tendance un petit peu d'un niveau social élevé. Pour moi, avec la carte des domestiques, on nous représente surtout, ici comme elle est à l'endroit, des disputes d'intérêts. On peut nous parler ici d'appel au prud'homme, on peut nous parler d'un problème en lien avec le patronat. On nous dit que souvent, en fait, ce sont des personnes qui se sentent domestiquées, qui se sentent vraiment rabaissées. Et pour moi, le rôle de Marie-France ici, en tout cas, elle le vivait comme ça. Elle avait l'impression qu'elle était brimée. Et elle ne supportait pas ça. Pour moi, on me dit vraiment que elle a lutté pour ses intérêts personnels. Et elle a dû lutter parce que rien ne lui était donné facilement, bien qu'elle ait un statut assez important. La carte des profits qui en suit nous dit que du coup, elle a pu être avantagée, mais moins que si elle avait pu être un homme ou s'exprimer différemment. Son statut l'a beaucoup bloqué dans sa vie. La femme corrompue et la vertu. Alors ici, on nous parle de sa sœur, je pense, hein, puisqu'on est vraiment dans les choses qui sont liées au féminin, avec deux dames qui ressortent immédiatement. On peut nous présenter et sa sœur et elle, donc une femme corrompue et une femme pleine de vertu. Et on peut nous représenter aussi un peu sa relation en fait avec sa sœur, qui était vraiment très très toxique et très néfaste. Sa sœur, je pense que c'est une dame qui a vraiment des grosses difficultés en termes d'empathie. Je ressens quelqu'un qui n'a absolument pas du tout comment on dit? Je ne veux pas dire que c'est une perverse narcissique, mais je pense qu'elle n'en était quand même pas très loin. C'est quelqu'un qui avait vraiment des difficultés à ressentir. Pour elle, l'affect n'était pas du tout quelque chose d'intéressant. Donc cette papesse, hein, qui est représentée pour la femme corrompue, eh bien, nous indique qu'elle a été dupée, Marie-France, que par une femme, elle a été dupée. Donc c'est pour ça que ça me fait penser vraiment à sa relation avec sa sœur. Parce que sa sœur était au courant de ce qui se passait sur son propre enfant et n'a jamais réagi. La vertu qui apparaît derrière nous dit que cette personne, en fait, avait pour Marie-France, hein, avait pour objectif de récolter le fruit de son travail pour prouver au monde entier ce qui se passait avec ce monsieur Duhamel. Ici, on nous a montré que c'était une personne qui voulait se battre pour le bien. Alors pour le bien moral et le bien de son neveu aussi. On nous parle de liaison dans le passé. Ah. D'accord, je ne connais pas du tout la vie personnelle de Marie-France Pisier. Je ne sais pas du tout si elle avait quelqu'un qui comptait beaucoup, qui venait d'une relation précédente. En tout cas, la carte de la liaison nous parle d'un contrat aussi, parfois. Elle nous parle pour moi de retard en fait sur ou d'une relation qui était un peu stérile, qui n'a pas beaucoup avancé. Pour moi, c'est la liaison amoureuse, pas dans son terme, c'est pas le mariage quoi, hein, c'est un flirt plutôt. Et on nous parle du passé. Alors pourquoi le passé viendrait-il interférer dans le présent de Marie-France? Eh bien ici, c'est parce que cette carte du passé nous indique un souvenir. Des choses dans le passé qui ont été utiles pour elle de se remémorer. Est-ce que dans le passé, on pourrait nous indiquer que dans le passé, elle avait déjà compris qu'il se passait des choses douteuses avec cette personne? Est-ce qu'elle-même aurait subi des attouchements ou des choses de ce genre? Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, le passé ici est présent et on nous dit qu'il y a eu des événements en fait de sa vie antérieure qui ont fait qu'elle a jeté un regard différent sur ce qui se produisait dans le présent. Et pour moi, on nous parle de liaison et de passé. J'ai un peu l'impression, et j'espère me tromper, qu'elle aurait pu subir également des agressions et que le fait de voir son neveu souffrir lui aussi de ça, eh bien, était quelque chose de trigger pour elle et qu'il l'a vraiment, vraiment déçue de ne pas avoir réussi à le protéger, sachant elle-même ce que ça pouvait représenter. Mais peut-être qu'ici, je me trompe, hein, ce ne sont que des cartes.
pour moi, malgré tout, c'est ainsi que ça se présente. Je suis obligée d'être toujours, toujours diplomate et de faire très attention à ma manière de m'exprimer. D'ailleurs, comme je vous le disais dans mon tirage de lundi, eh bien, la maman de Valentin Mousset m'a demandé à retirer ma vidéo, bien que celle-ci ait été faite effectivement dans la plus grande bienveillance et où il n'y avait absolument rien de négatif qui concernait son fils, je ne serais pas permise. Mais d'ailleurs, j'en étais ravie car j'aurais été extrêmement mal à l'aise si je m'étais permise d'avoir un jugement de valeur ou de donner des informations à tort et à travers. Vous voyez, quand je vous dis que parfois les familles des personnes disparues peuvent tomber sur ces vidéos, l'idée, c'est vraiment de toujours rester au plus proche de ce qui paraît correct. J'ai eu une dame qui m'a parlé de la vidéo sur Elisa Pilarski. Je ne l'ai absolument pas critiquée. C'est une femme qui a perdu la vie d'une manière atroce avec son petit bébé et je ne permettrai jamais de dire que c'est une personne bien ou mauvaise. Le tirage s'orientait par rapport au chien, s'orientait par rapport à l'accident et j'ai reçu un message d'une dame qui me dit qu'elle la connaissait, qu'elle espère que la famille ne tombera pas sur mon tirage. Écoutez, je pense que l'objectif, c'est qu'on n'oublie pas Elisa et que la justice puisse faire son travail aussi. Puisque quand même, il s'agit ici d'une personne qui a perdu la vie avec son bébé. Et que si aujourd'hui, les chasseurs et le propriétaire de Curtis se renvoient la balle sur la responsabilité, c'est bien parce que l'un d'entre eux risque d'être incarcéré pour homicide involontaire potentiellement, puisque c'est leur chien et qu'ils en sont responsables. Je n'y suis pour rien non plus si Curtis a de nouveau mordu par la suite lorsqu'il a été placé au refuge, puisqu'on ne l'a pas piqué pour pouvoir faire des analyses, et que par la suite il s'est montré agressif à plusieurs reprises, allant même jusqu'à choper une corde qui lui était montrée et rester pendu à celle-ci pendant des heures. C'est quelqu'un qui a testé le comportement de ce chien. Je ne suis pas comportementaliste et ce n'est pas mon enquête. Mais je ne pense pas dire d'horreur en prétendant, il me semble, avec mon analyse et mes cartes, que dans cette affreuse et traumatisante affaire qui m'a vraiment choquée au moment de son apparition médiatique, Je pense qu'il est juste aussi de pouvoir essayer de donner des informations sans manquer de respect à la famille. Vos commentaires sont très très désagréables, madame, et d'autant plus que je ne me permets pas non plus de laisser des vidéos qui dérangent. Donc si la famille d'Elisa rencontre une difficulté et ne souhaite pas que ce tirage reste sur ma chaîne, je suis joignable par email et bien entendu, je me charge de supprimer les vidéos qui peuvent blesser les proches des familles. Je vous le dis, je ne suis pas prête à vendre mon âme pour faire des vidéos sur YouTube. Je suis une personne qui a conscience de par mon empathie, de par mon hypersensibilité. Je ne me permettrai pas de laisser des choses qui font mal aux autres gratuitement. Et bien entendu, ça ne pose aucun problème de mettre ces vidéos en privé. C'est pour moi quelque chose d'important de respecter. Voilà, je tenais à le préciser. Donc ici, on a la carte des surprises qui est ressorti et on nous parle d'un événement inattendu qui a causé un énorme choc à Marie-France. On va voir ce que ça peut être avec la deuxième carte. Alors, cette surprise l'a mise dans l'embarras. Donc, c'est une mauvaise surprise et c'est une énorme mauvaise surprise pour elle. Elle a été vraiment prise au dépourvu. On nous dit vraiment que pour elle, en fait, il y avait quelque chose qui était en cours à laquelle elle s'attendait et en fait, pour moi, en fait, le fait d'avoir voulu dénoncer n'a pas été quelque chose qui lui a porté bonheur. Elle a été, semble-t-il, très étonnée de la réaction nulle autour d'elle concernant ces dénonciations. Elle a été, semble-t-il, pour moi en tout cas, vraiment mise dans l'embarras d'avoir osé ouvrir la bouche sur tout ça. Elle a manqué de soutien et elle a manqué d'un appui au niveau de la loi. Le désir et les négociants. Donc derrière tout ça, potentiellement, on nous parle d'un trafic. Hein. On nous parle vraiment de choses qui sont négociées financièrement avec des contreparties. On nous dit ici que le désir est monnayable et je crains que nous nous parlions également de trafic. Puisque nous savons qu'un pédo n'est pas une personne isolée en général, qu'il connaît d'autres gens comme lui. Ça, ce sont des rapports de psychiatres qui sont disponibles sur Internet, que j'ai lus. Et effectivement, ils agissent souvent avec d'autres personnes en réseau.
D'où le fait de négocier ici, négocier le désir. Le désir à proprement parler, comme il ressort ici, nous indique vraiment qu'il y a eu une frustration et que pour régler cette frustration autour d'elle, hein, on ne parle pas d'elle puisque c'est un homme, il y a eu des tractations financières. Marie-France savait qu'il y avait autre chose, il n'y avait pas que son neveu, je pense, dans cette histoire, et à mon avis, c'est quelqu'un qui comptait ouvrir sa parole aux médias. On nous dit qu'elle a pourtant fait une mauvaise affaire en voulant agir ainsi puisque ça lui a coûté la vie. Nous avons l'espion, ce qui ne me surprend pas du tout, puisqu'on peut imaginer que ces grands pontes ne se sont pas laissés faire et ont forcément essayé d'agir à son encontre. Et on nous parle d'héritage. Pour moi, la messe est dite, comme on dit. Hein. Pour moi, vraiment, on est sur une personne qui est dans la sphère familiale. Une personne qui a agi à l'encontre de Marie-France volontairement. On nous montre ici un soldat dans cette carte d'espion. Et on nous dit qu'elle était tout le temps soumise aux indiscrétions, notamment d'une personne. Et cette personne, alors, en lien avec l'héritage, soit elle aurait pu bénéficier de l'héritage de Marie-France Pisier. C'est peut-être quelqu'un qui a hérité d'elle. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être symbolisé par des souvenirs, par des choses qu'on a essayé de comprendre dans son enfance. Et cet espion aurait pu jeter un regard sur sa vie antérieure pour essayer de la discréditer. Par rapport à tout ça, j'ai une forte... Moi, ça ne me quitte pas, en tout cas depuis tout à l'heure, je crains que Marie-France Pisier et peut-être sa sœur n'aient également subi des violences dans leur enfance. Jeu de hasard. Alors là, par contre, pour moi, ça n'a pas forcément de sens à proprement parler comme ça, puisque je ne connais pas du tout les addictions possibles de Marie-France Pisier. Mais en fait, cette carte nous parle beaucoup de hasard favorable surtout. On nous parle de chance. On nous parle de chance par rapport à quelque chose d'inattendu. On ne nous parle pas forcément de la roulette et du casino. On peut nous parler ici de son logis, et ce qui pourrait être intéressant, c'est effectivement cette notion de piscine, cette notion de noyade. Pour moi, ça ne fait pas de doute, on nous parle vraiment de choses qui ont eu lieu au sein du foyer. Au sein du foyer, et on nous remémore, alors je vais faire peut-être l'addition pour essayer de compléter. Donc là, la dernière carte, c'est le jeu de hasard 6 et 8, ça fait 13, 14. Ouais, on va voir à quoi ça peut correspondre. Ouais, c'est ça. Donc 6 et 8, ça fait 14. Et si je regarde la symbolique de la carte numéro 14, on est sur la carte de la force majeure. C'est une carte en fait qui est presque toujours négative et qui prédispose à la violence, aux vains efforts et aux impulsions incontrôlées. On nous dit ici que quelqu'un de son entourage a été victime de gros problèmes et que du coup elle a eu des gros ennuis qui la guettaient par rapport à ce que son entourage avait vécu. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant. Vous ou quelqu'un de votre entourage pourrait être victime. En tout cas, des ennuis vous guettent, voire une maladie. Bien, eh bien écoutez, je pense qu'on a toutes les informations à notre disposition pour arriver à se faire notre propre opinion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite d'abord de passer une excellente journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine.